Salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve, c'est le soir là. On est en Espagne, donc c'est le soir, je suis avec Dédé. On a trouvé Voilà. quelque chose! Et là, c'est Mais ça où? craint quand même C'est dormir où? avec ça à côté. Alors là, il y a un scolopin, mais il y en a partout du côté de chez nous. Et en fait, là on voit pas bien dans la vidéo, mais il se trimballe un autre scolopendre au niveau de son corps juste en dessous. Donc il y a eu un fight. C'est vraiment un truc de malade. Ils sont énormes. Essayer de le retourner. Ouais, Pourquoi tu mais en vois fait, on l'autre? va essayer de le calmer parce qu'il se trimballe avec l'autre scolopendre en fait. Qui Il est est plus juste en petit. dessous. Voilà, il lui a bouffé un scolopendre. Il est en train de bouffer. Il attrape par la tête. Et là, à mon avis, on peut rien faire pour le sauver. Hein. Ça, c'est la nature qui veut ça. On Ouais, voit on bien les voit un deux. petit peu, voilà, que c'est séparé. Il y a bien deux scolopendres. Alors, c'est juste la petite vidéo bonus que je vous propose. Voilà, il y a de temps en temps des petites vidéos sur l'Espagne qui vont sortir. Mais là, c'est vraiment grandiose. J'adore ce séjour avec mon pote Dédé. Et on trouve vraiment plein d'animaux comme ça. Ça va pas nous faire courir. C'est. On va arrêter de Ouais. faire la pause quand Ben même. en fait, on a essayé carrément de les séparer parce qu'ils étaient en train de se fight. On n'a pas réussi. Il y a un scolopendre beaucoup plus petit qui est littéralement, je crois, en train de se faire bouffer par le grand qui se balade comme ça. Et on est juste derrière la maison en location. Hein. Quand vous regardez, regardez. Alors, tonton, en ce moment, il vient souvent en Espagne. Ouais, on n'arrivera pas à les séparer. J'essaie de lui sauver la vie. Ouais, mais regarde, il lui agrippe la tête et veut pas le lâcher. Après, il est toujours vivant. S'il faut, ils font un tac-à-tac. Hein. Tu crois que c'est un accouplement de Ouais, scolopendres? il se roule une pelle, mais elle est longue. Ouais, il la grippe complètement et je sais pas si c'est vis-à-vis d'un accouplement. Là, clairement, actuellement, ils en ont rien à foutre de nous. Hein. C'est clair. Putain, on aurait pu marcher dessus en plus. C'est quoi, il se bouffe un truc? Alors, le gros, c'est probablement une femelle vu la taille. Après, je sais pas comment on sexe les T'as vu comment scolopendres. il tire? L'autre, il s'accroche à les pattes arrière et l'autre, il veut le tirer. T'as vu? Il Ouais. se tient derrière. Là, je le demande pas souvent, mais si vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça ferait plaisir à tonton parce que ça, c'est des scènes qu'on voit pas tout le temps sur YouTube. Ou du moins, je dois pas taper les mêmes recherches que vous parce que moi, ça sur YouTube, je le vois pas. S'il faut, ça va être un accouplement. C'est bizarre, hein? Enfin, d'ici demain, à mon avis, il y en a un qui aura bouffé l'autre. On le verra pas. Juste avant qu'il fasse nuit, donc on aura peut-être une petite qualité de vidéo pas trop mal quand même. Hein. Ouais, je pense, ouais. Mais c'est bizarre quand même, ouais. Ouais, je pense qu'il est fatigué, lui. Bon, bah, du coup, on va vous laisser parce que là, il va faire nuit. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Là, ça fait pas du tout rire. Il ne faut pas tomber.